Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Grégoire Delacour, écrivain, évoque son livre Une nuit particulière chez Grasset avec Véronique Morel-Murao, enseignante en Cagne, pour les dégustations littéraires des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Écoute, c'est Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Donc Grégoire Delacour, une nuit particulière. Si, alors vous nous parlerez peut-être du titre un petit peu plus tard. Si je vous dis que après avoir clos un cycle avec l'enfant réparé, vous ouvrez à présent, alors je ne dis pas que vous revenez à la fiction, mais en tout cas, vous ouvrez une nouvelle aventure qui est autant une aventure romanesque que poétique. Oui, après L'enfant réparé, dont on avait parlé ici d'ailleurs, qui est un récit, hein, pour celles et ceux qui ne savent pas, sur un abus dont j'ai été victime enfant, et qui m'a été révélé par mes livres eux-mêmes, puisque je m'étais rendu compte que dans chacun de mes 9 précédents livres, et ce n'est pas pour rien qu'curieusement, il y avait 9 livres, et c'est le 10e qui... Il a fallu 9 pour accoucher du 10e. Et que je me rendais compte que dans chacun de mes romans précédents, il y avait des enfants bousculés, abîmés, et des petites filles, des garçons, mais de façon très même bousculés dans un coin de page. Je veux dire, c'est pas le sujet du livre. Et je m'étais rendu compte, après avoir écrit Mon père, qui est un livre difficile sur l'abus d'enfant, un abus d'enfant par un prêtre, que cet enfant, c'était moi, je me rendais compte. Donc j'ai écrit L'enfant est paré, parce que je venais de prendre conscience que les livres me racontaient mes livres et que je ne les avais pas lus, en fait. Et après, j'ai eu une grande période de à la fois d'apaisement, parce que c'était sorti, une tendresse extraordinaire des lecteurs et lectrices qui et certains ont eu peur pour moi, en disant le pauvre, on vit quoi après, qu'est-ce qui se passe. Et puis finalement, le livre a pris de l'ampleur, le livre est devenu le livre des autres, le livre de tous les gens abîmés qui n'osent pas parler, qui n'ont pas de mots. C'est difficile, hein, de parler du mal qu'on vous fait, parce que il faut que cette parole, elle soit recueillie, et tout le monde ne recueille pas la souffrance de l'autre. C'est terrible, c'est chiant, on a déjà ces problèmes si en plus on doit avoir ceux des autres. Ce qui explique aussi que j'ai mis beaucoup de temps à le donner à mon éditrice, ce texte, parce que c'est aussi là difficile d'apporter un texte à un éditeur et dire voilà, de quoi va nous faire chier avec un truc qui n'intéresse personne. Mais au fond, cette histoire de l'enfant réparé, outre l'intime absolu de mon travail, si c'est un livre sur l'amour de ma mère, j'ai découvert, sur la naissance d'un écrivain. Et après, j'étais un peu heureux, comme je vous disais, et vidé, parce que quand on écrit un récit aussi fort, ma mère, elle est réelle. Mon frère, qui est mort l'année dernière, était réel. Moi, je suis réel. Mon père était réel. C'est tellement puissant, tout d'un coup, qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut écrire après ça. Est-ce que les personnages de fiction tiennent la route? Est-ce qu'une femme qui marche la nuit, ça fait quelque chose, ou quelqu'un d'important? Il m'a fallu beaucoup de temps pour me recheminer vers la littérature romanesque et aller vers la vérité, puisque le récit, par définition, c'est la réalité. L'enfant est paré, tout ce qui est dans le livre est réel. Et dans un roman, il n'y a pas de réalité. On s'en fout que c'est réellement arrivé, que cette fille, elle est réellement blonde, que la voiture, elle est réellement entrée dans le camion. C'est la vérité. On cherche une vérité qui nous dépasse. Et donc, j'ai eu envie de repartir, mais complètement dans le roman et dans la vraie fiction, c'est-à-dire d'inventer des personnages qui, pour moi, sont extrêmement réels à l'arrivée et vivants. Et ça donne une nuit particulière, qui est un livre particulier, qui est un moment particulier de ma vie, qui est, comme vous dites, un nouveau départ, puisqu'une nuit va toujours, croit-on, enfin, j'en sais rien, vers le jour. Donc, je crois que j'ai fait tout chemin pour aller vers le jour maintenant. Elle s'appelle Aurore. Il s'appelle Simone. Voilà, exactement. Je lis parce que cette phrase qui est, enfin ces deux phrases qui sont les vôtres sont très belles. J'avais envie de retrouver un homme et une femme capables de se jeter dans le vide par amour, parce que c'est vivre sans amour qui est l'enfer. Je crois que vous dites là ici très directement d'ailleurs que ce n'est pas tant un roman d'amour qu'un roman sur l'amour que vous aviez envie d'écrire. Oui, moi je voulais écrire sur l'amour, un roman d'amour. Il y en a plein. Là, ils sont tous là. Je crois qu'on écrit que sur l'amour ou à propos de l'amour, parce qu'on ne sait pas comment ça marche, on aimerait bien le savoir pour le jour où ça nous arrive. Donc on écrit plein d'hypothèses, c'est un homme de l'autre côté de la rue, c'est une femme dans un ballon dirigeable, on ne sait pas. Chaque histoire est unique et c'est pour ça qu'elle est fabuleuse et qu'on n'arrêtera jamais d'écrire et qu'il y aura de la littérature, parce que c'est absolument
incertitude sur l'amour. Et je voulais écrire sur l'amour et je voulais écrire sur le couple. Mais pas le couple comme j'ai fait dans mes précédents romans, un couple plus jeune, un couple, allez, on va dire entre 15 et 40 ans, mais un couple à la fin d'une vie, après 30 ans en l'occurrence. Aurore vit 30 ans avec son mari Olivier, une passion absolue, on y reviendra sans doute, et cette nuit-là, il va la quitter. Et évidemment, après 30 ans de couple, d'amour, c'est une épopée, une odyssée de vie, on se dit, mais mon Dieu, à quoi ça a servi d'aimer si ça ne dure pas? Et en fait, il y a toujours cette grande confusion, est-ce que l'amour doit durer? À quoi ça sert au fond? Et donc je voulais écrire sur l'amour au prisme d'un couple et du couple, parce que je suis fasciné de la question que je me pose, c'est de quel amour on est le couple au fond, parce qu'il y a des couples, on est tous différents en tant que couple, mais on aime quoi de notre couple? On est un couple pour quoi? Pour quel amour? Et ça, ça a été un peu le point de départ. Donc, j'ai inventé trois couples, en fait. Alors, on peut cheminer. Peut-être... Et je vais vous laisser justement cheminer parce qu'il y a une dimension qui emprunte beaucoup au suspense. Il y a une construction dans votre roman qui est absolument extraordinaire. Donc, je ne veux rien dévoiler. Je vais vous laisser cheminer dans ce que vous allez avoir envie de nous révéler. Puis après, on s'intéressera à quelques points plus particuliers. Mais Aurore, Siméon, qui sont-ils? Et peut-être, quels sont ces trois couples? Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites, Véronique. Il y a l'histoire, on va essayer de l'évoquer brièvement. Puis après, il y a la construction, c'est-à-dire comment la littérature vient au service d'une histoire pour l'emmener très très loin. Parce qu'un homme qui rencontre une femme, franchement, ça ne fait pas un livre. On y reviendra. Donc en fait, moi, j'ai inventé et aimé profondément Aurore, qui est une femme, donc je viens de l'évoquer. Elle a 55 ans. Elle vit depuis 30 ans avec un type, Olivier, une passion, vraiment une passion. Et j'entends par passion leur désir conjugal qu'ils avaient de faire s'embraser tout le temps leur relation. C'est pas ce genre de relation où on a le coup de foudre, la passion, le désir. Vous savez, on passe 8 jours au lit, puis après, bon, faut quand même sortir manger. Et puis après, on s'aime, puis après, il y a de la tendresse, puis après, il y a un labrador, puis après il y a Netflix. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une passion à tel point que il se challenge quand ils sentent que les choses s'endorment un petit peu, se banalisent, ils se réinventent, ils se séparent pour se retrouver dans un bar, dans un restaurant, pour se re-rencontrer en permanence, pour se remettre en permanence en danger du désir de l'autre ou du non-désir de l'autre. C'est le côté belle du Seigneur un peu. Exactement. Dans ton parler, hein. C'est comment mon couple, il est en permanence en danger, parce que si on le considère comme pérenne, bah, c'est pas ça un couple, c'est une sorte de permanence d'aller vers l'autre. Donc ce couple-là, Aurore et Olivier, c'est ça. Ils ont un enfant, une fille. C'est un couple dans la chair, c'est un couple dans le désir, c'est un couple dans la passion, dans ce qu'il y a de plus charnel même de la dimension du désir et de la conjugalité. Et cette femme-là, ce soir-là, est quittée. Elle décide de ne pas rester le temps qu'il parte, qu'il emballe et prend ses affaires, il s'en va. Elle n'a pas envie d'être là, de voir ça. Et donc, elle erre dans Paris, un Paris que j'ai écrit de loin, puisque j'ai écrit Steve à New York, et je n'aurais jamais pu écrire sur Paris à Paris. C'est une ville que je ne comprends pas, que je n'aime pas toujours, mais j'ai pu l'écrire la nuit, j'ai pu l'écrire de loin, et la nuit, parce que la nuit c'est un décor de théâtre, c'est un décor de cinéma, la nuit, les ombres, on ne sait pas s'il y a des gens qui s'embrassent ou s'il y a un type à vous égorger, on ne sait pas si c'est un drap d'une devanture ou un corps qui est là, y a, les bruits sont différents, on peut entendre les bruits de pas, on peut entendre le bruit d'un tissu, de celui qui marche à côté de vous, même les peaux qui se touchent ont un son, on peut presque entendre le cœur de l'eau, donc j'ai cette intimité à l'extérieur. Et donc elle se balade là à Paris et elle sort d'un groupe de parole et elle voit un type sur le trottoir, un grand type, un peu timide, un peu dégingandé, qui fume, qui peut-être va rentrer lui aussi au groupe d'après, elle ne sait pas. Et quelque chose en lui, la bouleverse, elle, de ce type. Et elle fait ce que sa mère lui a dit qu'on ne fait jamais. Je crois que l'extrait vous fut lu tout à l'heure. Elle va l'aborder, elle va lui demander, il fume, elle va lui demander une cigarette, elle va lui demander du feu. Et symboliquement, il lui donne une cigarette, il ne se parle pas. Et quand il allume la cigarette, et c'est important ce moment, il l'allumait. Alors je ne dis pas allumer quand on allume une fille vulgairement. Il la réallume, il la remet en marche, il la réembrase, il la réincendie. Et tout d'un coup, elle reprend feu à elle-même. Et évidemment, elle est troublée, elle lui prend la main, elle lui dit « emmenez-moi ». Et ça, c'est le début du livre. Et c'est très troublant parce que un homme à
à qui on fait ça, je ne sais pas ce qu'il fait, il part en courant, ça, ça fait très très peur tout d'un coup. Et elle le dira, les hommes sont terrifiés quand une femme les aborde sans rien demander en retour. Parce que souvent, quand, si une femme fait ça, on dit, bon bah voilà, et il ne peut pas s'empêcher, lui, ce pauvre homme dont on ne sait rien pour l'instant, quand il passe devant un hôtel, il regarde, il se dit, mais est-ce que je dois rentrer? Il ne sait pas, il est perdu, qu'est-ce qu'elle me demande de l'emmener quelque part? Ils vont cheminer ensemble, ils vont non pas passer la nuit, mais traverser la nuit ensemble. Et on va découvrir qui elle est, par ce qu'elle raconte et par ce que lui, de la façon dont il réagit. Donc ça, c'est elle. Et puis là, on arrive à la construction, il y a lui. Donc, à un moment, c'est compliqué parce que dans un couple, on est deux. Donc forcément, il y a deux regards, il y a deux points de vue, il y a deux émotions, il y a deux parfums, il y a deux goûts. Peut-être, j'ai dit n'importe quoi, si elle fait ça, elle remet ses cheveux comme ça derrière l'oreille, elle dit, j'ai dégagé mon visage pour qu'il voit la douceur de mon regard, je fais n'importe quoi. Et puis lui, il va dire, oh, elle a mis ses cheveux qui étaient la gênés derrière son oreille. Hein, c'est... Et en fait, c'est magnifique parce qu'il y a couple au moment où il y a cette non-interprétation de l'autre, où c'est un langage. Donc, j'ai fait que la même histoire, cette nuit-là, va être racontée par elle, par Aurore, c'est la première partie du livre. Et la seconde partie, c'est sa version à lui. Et ce qui est beau, évidemment, c'est dans les différences, c'est dans les dissemblances, c'est dans les pas qui ne s'accordent pas tout de suite. Et on va découvrir que lui, qui est plus jeune qu'elle, bon, je crois que c'est la mode un petit peu depuis quelques années, que non, mais c'est bien ça. Et je rends d'ailleurs hommage à Brigitte Macron au passage. Attendez, vous riez, j'ai pas fini. Qui a quand même fait disparaître le mot cougar. Ah oui, moi je trouve qu'on n'entend plus ce mot et je trouve ça vachement bien parce qu'elle a rendu de la fierté à toutes ces femmes qui sont avec des hommes plus jeunes et ça je lui tire mon chapeau parce que c'était pas évident à l'époque. Voilà, bref, je ferme la parenthèse. Lui est un petit peu plus jeune et il a un problème dans son couple. Il est marié depuis plusieurs années avec Marie. Il a un problème à régler et Marie lui a dit « Cette nuit tu sors, j'en ai marre, tu règles ton problème et tu décides ce que tu veux faire de nous. » Et c'est pour ça que lui est dehors, il est dans cette interrogation. Et de ces deux couples, je crée donc le couple Aurore-Siméone qui vont traverser la nuit et c'est eux qu'on va suivre par son regard à elle et par son regard à lui. Si on revient justement sur le couple, et là je ne parle pas simplement d'Aurore et de Siméone, sur le couple et sur les raisons pour lesquelles on se choisit. À un moment donné, je crois que c'est, il me semble que c'est Aurore, qui évoque Lévinas, le philosophe Lévinas, et qui parle de l'idée qu'il faut qu'il y ait dissemblance. Je crois bien que c'est elle, hein, et qu'elle dit ben, non, en fait, non, il ne faut pas qu'il y ait dissemblance, qu'il y ait ressemblance. Et à partir de là, se déroule aussi toute une interrogation sur cette question en fait qui nous taraude tous. Pourquoi est-on choisi? Et pourquoi choisit-on l'autre? Qu'est-ce que l'on aime? Qu'est-ce qu'il faut connaître ou pas de l'autre pour aimer et pour être choisi aussi? Vous le saurez en lisant ce... Non, on ne révèle rien. Non, mais c'est vrai, mais c'est difficile parce que je ne peux pas tout vous raconter non plus. Mais c'est vraiment une question qui hante mon travail d'écrivain depuis tout le temps. C'est cette idée de l'amour. Pourquoi on est, comme vous dites, choisi ou rejeté, ou pourquoi on choisit quelqu'un qui veut ou pas de vous? Et pourquoi ce qui peut être absolument magnifique, qui est l'amour, peut parfois faire tragiquement mal? On a vu des gens tuer hein, par amour, des gens battre, des gens être odieux, etc. Donc l'amour reste un quelque chose de très très mystérieux. Et moi, je continue à creuser ça. Là, bon, un couple d'une nuit, un couple improbable, puisque elle a quelque chose à résoudre avec son mari qui s'en va. Lui a quelque chose à résoudre avec sa femme. Donc, elle le dit, et ça vous a été lu tout à l'heure. Elle dit, Aurore, on n'a pas besoin de connaître l'autre pour l'aimer, mais pour le désaimer, oui. Et en fait, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette nuit-là particulière, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de séduction au sens de vouloir prendre quelque chose de l'autre. C'est juste deux personnes qui ne se connaissent pas, qui vont cheminer et qui ne vont faire aucun projet puisqu'ils ne sont pas amenés à vivre ensemble. Mais ça n'empêchera pas l'amour et le désir et on le verra dans le livre parce que, bah, je vais le dire quand même, à un moment, évidemment, elle est fatiguée, elle va dans un hôtel, c'est elle qui l'emmène et lui ne fait rien. Alors d'habitude dans les livres, les mecs ils sautent sur les femmes, ils les prennent, elles sont toutes contentes et tout. Et là pas du tout, et c'est elle qui pour une fois est perturbée. Et elle lui dit mais je ne vous fais pas envie, vous n'avez pas envie de moi, vous n'avez pas envie de me coucher avec moi. Et il lui dit non,
je crois qu'on a commencé à faire l'amour quand vous m'avez pris la main sur le trottoir tout à l'heure. Et tout d'un coup, s'installe entre eux, non pas un langage, mais une langue originale, qui est la langue de ce couple-là, à ce moment-là. Et je crois qu'on a tous ça quand on aime profondément quelqu'un. Et pour répondre à votre question, Véronique, j'ai envie de dire qu'il y a un couple quand on parle la langue de l'autre. La langue de l'autre, pas le langage, la langue. Et la langue, c'est pas forcément les paroles, c'est pas forcément la sexualité, c'est pas forcément tout ce qu'on imagine. C'est quelque chose de profondément intime et d'unique au monde. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit et travaillé la structure du livre, parce qu'il fallait le tenir, parce que c'est rien, c'est du vent, c'est juste un homme qui regarde une femme, qui regarde un homme, qui désire un homme, qui regarde une femme. C'est rien d'autre, ce livre. Et pourtant, c'est tout. Et je m'étais souvenu de... en l'écrivant, du merveilleux travelling dans La Bonne Année de Claude Lelouch, si vous l'avez vu, où il y a Françoise Fabian, qui est absolument magnifique, et Lino Ventura, qui est pas beau, mais qui a un charme hallucinant. Et il avait dit, comme il a dit à tous ses réalisateurs, je n'embrasserai ni ne coucherai, entre guillemets, jamais avec une actrice dans un film, par respect pour ma femme. Et Lelouch est vachement emmerdé quand il fait la scène, parce qu'ils doivent pratiquement s'embrasser dans la rue. Hein. Il va la cambrioler, ils se séduisent et tout. Et il y a ce plan qui est absolument merveilleux, où il la regarde, il se regarde, il y a un charme. Et je crois qu'ils font l'amour, mais sans se toucher. Et je trouve ça absolument fascinant. Et j'ai eu envie dans ce livre, qui est ça, qui est cet amour sans se toucher, c'est du silence, en fait. J'ai écrit un livre de silence, de désir dans le silence. Et je crois donc qu'aimer, c'est ça, c'est parler la langue de l'autre. Et entre sa partie à elle et sa partie à lui, il fallait que je les réunisse. Non pas que j'ai pris un kir, puis elle dit j'ai pris une limonade. C'est parler dialogue. Et les dialogues, c'est extrêmement dur pour moi à écrire, parce que souvent dans les livres, ça sonne faux. C'est-à-dire, si un dialogue, il est hygiénique, passe-moi le sel, passe-moi du truc. Bon, d'abord, c'est pas très intéressant dans un livre. Vous n'avez pas payé 20 balles pour lire ce que vous dites toute la journée. Et puis, c'est très, très dur le dialogue, parce que c'est... Ben, je sais pas, c'est un moment presque d'effraction aussi de l'autre. C'est un moment où on lance quelque chose dans les mains, dans l'oreille, dans le corps de l'autre. Et là, je me suis amusé à les travailler. Et en fait, je me suis aperçu que s'il y a un endroit où ils sont complètement en phase, c'est-à-dire que presque l'un peut commencer ou finir la phrase de l'autre, c'était là. Et au fond, le lien entre eux, il se passe dans le langage, c'est-à-dire dans ce qu'ils sont en train d'inventer et de révéler l'un de l'autre. Je dirais qu'ils s'amusent avec les codes justement du langage amoureux au moment où un couple se constitue, au moment d'ailleurs où se noue cette situation qu'un terme très beau de la Terre de Feu, je vais vous laisser, je peux le retrouver ce terme. Chez où il est. Voilà, extraordinaire. Oui, mais vous allez j'ai comprendre. J'ai lu en fait, voilà. J'ai lu avant de venir, j'ai lu. J'y entre. L'homme essaye vaguement de me retenir. Sans doute voudrait-il protester. Mais je ne me retourne pas. C'est ma nuit. Au réceptionniste, je demande une chambre. « Vous êtes folle !» chuchote l'homme revenu contre moi. « Une chambre supérieure est libre. Elle donne sur la rue Christine, me précise-t-on. Cela vous convient-il » 500 euros, petit déjeuner inclus. Je tends ma carte, remplis le formulaire et reçois ma clé. Il me rejoint dans l'ascenseur. Quelques secondes de stagnation entre nous, d'apesanteur. Les habitants de la Terre de Feu nomment ce moment Mailapinatapai, un mot yagan qui définit cet instant où deux personnes qui s'attirent aimeraient que l'autre initie quelque chose, mais aucun des deux ne bouge. C'est incroyable, hein ? C'est incroyable, c'est génial. C'est un petit peuple de la Terre de Feu qui, dans leur langage, a inventé un mot pour définir exactement ce moment où deux personnes, et c'est très très beau, ont envie que l'autre initie quelque chose et aucun des deux n'ose. Et nous, on n'a pas ce mot en français. C'est-à-dire, on n'a pas réussi à conceptualiser cet instant absolument de désir parfait, mais le désir est là sans qu'on ait besoin de se précipiter. En même temps, on regrette. Et voilà. Et je sais pas. Et je trouve que la langue est magnifique dans toutes les langues pour décrire tous ces moments qu'on a tous vécu. À un moment, on s'est tous retrouvés avec un homme ou une femme, et on aurait eu envie et que l'autre. Voilà. Et c'est ça qui est beau, c'est l'impossibilité. Et l'amour, bah, c'est commencer à dépasser son impossibilité. Et vous aimez d'ailleurs cette quête du mot juste. Alors, à la fois, je dirais que c'est pas une quête technique, c'est une quête poétique. Oui, les mots, c'est important. Comme certains lecteurs et lectrices savent maintenant que j'aime bien glisser deux, trois mots que personne ne connaît, non pas pour faire le kéké, mais parce que justement, c'est des mots qu'on ne connaît pas, qui éclosent comme ça. Une lectrice m'a envoyé ce mot que j'ai mis dans le livre d'ailleurs, qui est marcescente.
Et marcescente, c'est un mot très très beau puisqu'il définit d'une plante la partie qui pourrit de la plante ou d'une fleur, mais qui reste accrochée à la tige. Et au fond, être quitté, c'est, et elle dit à Simeone, et voilà, je suis marcescente, elle dit, je me ressens comme cela, parce que je suis morte à ce qui me donnait la vie, puisqu'il me quitte, mais je reste quand même attachée à lui. Et ça, je trouve très, très beau. Et c'est dans la botanique qu'on trouve tout d'un coup un mot qui décrit exactement le sentiment de Aurore, parce que sinon, j'ai pas de mots. Je veux dire, elle va dire j'ai le cafard, j'ai mal au ventre, j'ai le teint gris, j'ai envie de rien. Mais ça, on s'en fout, on l'a tous connu. Mais dire que, voilà, d'arriver à, par un mot, une expression nouvelle, à définir la mélancolie parfaite d'un personnage, ça, je trouve que la langue est magnifique pour ça. Et on écrit aussi pour rencontrer ces mots-là, pour les offrir aussi au lecteur. Et c'est, il me semble qu'il y a du coup, dans cette dimension romanesque, la nécessité justement de l'écriture poétique, la nécessité du, et j'ai même envie de dire, du souffle lyrique, parce qu'il y a... au-delà de la poésie, il y a l'image cinématographique et il y a aussi l'univers lyrique de l'opéra. Alors la poésie, elle est surtout le langage que j'ai choisi pour Aurore, parce que comme je viens de le dire, expliquer un cafard, une tristesse de quelqu'un qui vous quitte, on l'a tous plus ou moins, allez, on va dire tous connus, on a tous été quittés, on a tous quitté quelqu'un et on sait les ravages que ça fait. Donc ça, j'ai pas besoin de le raconter. Par contre, La poésie a ceci d'extraordinaire, c'est qu'elle permet de faire ressentir sans avoir à expliquer. Et il n'y a rien de pire qu'on a été quitté, par exemple, de lire une femme qui a été quittée, parce que de toute façon, elle est idiote et nous, on sait ce qu'elle a fait et ce qu'on a vécu, donc elle n'a pas besoin de nous le rappeler. Voilà. Et donc, elle le raconte par la poésie, c'est-à-dire qu'elle va aller en extraire la beauté, la tragédie, la souffrance, l'émerveillement ou le renouveau possible. Donc elle est dans la poésie. Simeone, quand il raconte à la première personne, lui, hein, chacun raconte à la première personne, il est un langage beaucoup plus réfléchi, beaucoup moins presque carnassier, cannibale, charnel. Pourquoi ? Parce qu'elle elle raconte, et c'est un choix, vous comprendrez en lisant le livre, au présent. C'est-à-dire elle raconte au présent sa nuit, lui il la raconte au passé simple. Donc la nuit a eu lieu, donc il y a une légère distance qui fait qu'il peut interpréter un petit peu les choses. Et elle, ça sort par le ventre, j'ai envie de dire, lui ça sort un peu par la tête aussi, parce qu'il a eu le temps de ressentir. Et c'est le choc des deux présents, puisque le passé simple c'est un temps que je trouve absolument admirable, parce que c'est le présent du passé. Hein, c'est... Alors que le présent il est difficile à manier, parce qu'il est... Il peut être très lourd le présent, hein. C'est un temps à écrire compliqué. Et donc c'est aussi une langue pour chacun qu'il me fallait. Alors le lyrisme, c'est parce que comme c'est une histoire sur l'amour et que moi je suis amoureux de l'amour depuis très longtemps, depuis que j'ai compris l'amputation quand on me l'avait enlevée et quand je l'ai retrouvée, j'ai aimé aussi l'amour lui-même. Je rêve d'immensité de l'amour. Je rêve qu'on puisse mourir d'amour, mais on ne peut mourir d'amour aujourd'hui, on ne meurt plus d'amour, ça n'existe plus, sauf à l'opéra. À l'opéra, et on meurt encore d'amour. C'est-à-dire qu'on est capable, quand le héros que vous êtes, Roméo et Juliette, Aïda, tout ça, on est capable de... Il est mort, ah, je te rejoins, ah, dans l'au-delà, et on rigole même pas parce qu'on se dit, waouh, ils osent, ils y vont. Et on s'en fout de croire qu'il y a un au-delà. L'au-delà, c'est eux. Et je me souviens, et c'est une des raisons aussi qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est cette rencontre que nous évoquions, Véronique, cet après-midi, d'une femme que j'avais rencontrée à Cassis, lors d'un salon du livre, qui avait lu et on parlait de Danser au bord de l'abîme, et elle trouvait très très fort et singulier et rare le portrait de la femme que je faisais, qui a un rendez-vous avec un amant et ils vont partir ensemble, enfin un amant, l'homme qu'elle aime, elle quitte tout pour lui, mais il viendra jamais pour une raison que je ne dévoilerai pas si vous n'avez pas lu, et elle va continuer, elle va décider de faire son voyage sans lui. Et on parlait de ça, elle me disait, mais c'est quand même très très beau. Je dis, ouais, enfin quand même. C'est... Et elle me dit, mais moi, vous savez, ça fait 40 ans que je suis veuve. Et moi, évidemment, idiot, je dis, vous avez refait votre vie et tout. Ah non, 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 je l'aime encore. Et là, j'ai pris une grande claque dans la figure parce que je me suis rendu compte que l'absence n'est pas antithétique de l'amour. Et on fait croire que la présence, mais non. L'amour, il n'est pas lié à la présence de l'autre. La présence, elle est pas une incarnation physique. Ça peut être quelqu'un qui est là, mais s'il n'est pas là et qu'on n'aime pas, c'est quand même un problème. Et elle continue. Alors, elle me disait, oui, parfois, c'est vrai que l'hiver, le lit est un peu froid, il me manque parfois, mais je n'aimerai personne d'autre.
j'étais la femme de cet amour-là. Et j'ai trouvé ça quand même absolument magnifique dans cette période où on va acheter des mecs à 8h du soir ou 19h sur Tinder quand on a 15 ans pour le comme de la viande quoi, qu'on se fait livrer au café en bas. Je trouve quand même beau de continuer à croire que l'amour, ça a du sens au-delà de la sexualité, au-delà de tout. Et ce livre, il est né aussi pour dire ça, pour dire que la sexualité, elle est... Parce qu'on s'attend évidemment à ce qu'ils couchent ensemble. C'est tellement facile de coucher avec quelqu'un. Je veux dire, à aimer, c'est le plus facile dans une relation. Mais s'aimer, c'est le plus difficile. Et l'amour, il peut durer une nuit, il peut durer une vie, il peut durer 4 heures. Je ne parle pas de la sexualité, je parle d'aimer quelqu'un. Et aimer, je crois intimement maintenant que je commence à être vieux et à comprendre un peu les choses, qu'aimer, c'est éminemment sauver l'autre. C'est faire ce cadeau à l'autre, c'est le sauver. Parce que pouvoir dire « j'ai été aimé », c'est sauver l'autre et en même temps, ce n'est pas non plus éviter une certaine dimension de tragédie. Est-ce qu'il y a une forme de tragédie dans votre texte ? Bah, je l'ai un peu conçu comme aussi un livret d'opéra puisqu'il il est à deux, c'est un duo. En parlant de la tragédie, il est important de savoir qu'on est aussi d'où on vient, on est aussi de l'amour qu'on a reçu, on est aussi de la culture de l'amour qu'on a reçu, de la sensibilité à l'amour qu'on a reçu, à l'élégance de l'amour, à la beauté, à l'immense beauté de l'amour. Simeone, il est, comme son nom l'indique, italien, de Sicile, de Messine, et sa maman a été une fan d'opéra. Toute sa vie, elle a écouté, ils sont arrivés en France, je ne sais plus où, et dans la cuisine, elle écoutait l'opéra, elle écoutait ces immenses femmes qui meurent d'amour, qui sont capables de tout donner par amour, et elle écoute, elle adore ça. Et ce petit gamin, Simeone, il entend ça, il dit « Maman, mais c'est incroyable, raconte-moi ». Alors elle lui raconte en italien cette immensité de l'amour. Et le papa de Simeone, donc le mari de sa maman, est un peu un bel italien, un peu coureur, enfin même franchement coureur, et il lui dit, il rentre du travail, il aime profondément sa femme, et il lui dit avec son petit air d'italien sublime, de Mastroianni sublime, il dit tu as des choses que j'aime beaucoup, mais d'autres femmes ont des choses aussi que tu n'as pas et que j'aime aussi, et tu dois. Et il n'est pas méchant, mais c'est un mec qui s'est pas dit voilà, il est à la plage, il regarde les autres femmes au lieu de regarder la sienne. Et le petit Simeone dit à sa maman, il a 12-13 ans, il dit mais c'est dur, papa il t'aime pas. Et elle dit mais c'est pas important. Moi, j'ai la chance d'aimer. Et elle aime, et elle se dit, ça sert à rien de courir un autre, de le jeter, de toute façon, c'est comme ça. Et elle découvre ce que c'est d'aimer. Et elle aime un homme qui ne l'aime pas, et c'est pas très grave, c'est arrivé aussi à des gens. Et elle va élever ce gamin dans l'idée que l'amour est quelque chose d'immense, et que la réciprocité, finalement, oui, c'est bien, mais c'est pas parce qu'on n'est pas aimé en retour. Mais il l'aime, je crois, son mari, mais pas comme elle. Et donc, il va être né au monde par les femmes, ce Simeone. Il va être par l'amour que les femmes ont de l'amour. La première fois qu'il est à 18 ans, quand il ira, et c'est une très belle scène dans le livre, sa maman meurt et elle lui a fait promettre de jeter les cendres comme ça dans la mer. Il retourne à Messine et ce soir-là, il attend, il regarde le coucher de soleil avec l'urne et tout, tous les soirs, et il n'ose pas, il n'arrive pas à jeter les cendres parce que c'est difficile de laisser partir une maman de toute façon. Et un soir, une fille est là et la scène, vous verrez, est très belle. Et il fait l'amour pour la première fois, mais de façon très, très primitive, très instinctive. C'est-à-dire, il ne sait pas qui c'est pas important. Et il découvre ça, la chair, et évidemment, il fait tomber l'urne qui se casse et sa mère s'envole. Et les deux sont libérés d'une certaine manière. Et il devient un homme ce jour-là, un orphelin. Et il va rentrer dans sa vie d'adulte avec un soin et une attention exceptionnelle aux femmes. Ce qui fait dire à des lectrices et lecteurs de ce livre, c'est incroyable, vous avez enfin créé un personnage d'homme élégant après tous les hommes qui ont souffert dans vos livres, qui est élégant, qui a compris, et vous verrez son métier, vous verrez son rapport au monde des femmes, et cette délicatesse, cette élégance, cette prévenance qu'il a dans un monde où je trouve que les mecs, même s'il y en a beaucoup, se comportent très bien, mais il y a toute une génération de petits cons qui arrivent et ça fait peur quoi. Et le charme et l'élégance sont des valeurs qui sont belles aussi, et Simeone, et c'est ça, c'est pour ça qu'il saute pas sur elle et presque elle a peur quand il dit mais vous me plaisez, je ne vous plais pas, mais si, mais c'est autrement, c'est pas, et c'est rare ça.
Oui, c'est un roman d'une profonde sensualité, d'une profonde élégance. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je trouve que votre écriture et votre univers croisent la grâce dans tout ce que ça représente et le chagrin qui n'est pas forcément l'immensité non plus de la tristesse. Tu sais, il y a des chagrins sans douleur. Oui. Et c'est ça c'est un chagrin sans douleur. Et j'aime bien, et le chagrin est beau aussi, il rend beau parce qu'il fait prendre conscience que les choses ne durent pas et que l'éphémérité des choses les rend belles, et c'est parce qu'on croit que les choses durent toujours qu'on n'y fait plus attention. Il faut faire attention à la fragilité du monde et des autres, quoi. Et c'est un livre sur la fragilité aussi, sur, on est fait plus, je crois, mais intimement je crois ça, de ce qui nous a traversé que de ce qui est resté, de ce qui nous a effleuré, frôlé et qu'on peut pas saisir, et c'est ça qui nous enrichit plus que ce qu'on a eu, quoi, et c'est cette nuit-là, c'est ça, c'est cette nuit où on comprend tous que voilà, ça dure pas et c'est beau aussi. Dégustation littéraire, la série littérature de Chandaille et Chignon. On aime à partir du souvenir. Oui, je crois que le souvenir, il est un parfum de la chose suivante. Il y a quelque chose qui manque, c'est vrai, si c'est un beau souvenir. Le souvenir, il nous construit. Le souvenir, il est quelque chose qu'on ne veut pas perdre. Ça fait peur, le souvenir, parce qu'il s'en va aussi. Je veux dire, le visage de quelqu'un qu'on a aimé. Moi, ma mère est décédée il y a 15 ans maintenant. Et parfois, son visage, il est là, mais il est impressionniste. Elle disparaît, elle s'effiloche. Donc, je fais gaffe, quoi, et je me dis que l'amour que j'ai, c'est ça qui la maintient proche. Mais oui, on est je crois qu'on est la chair du souvenir des belles choses qui nous ont fait vivre, quoi, fait être un être humain, quoi, oui, sûrement. Il y a un autre personnage masculin, mais il se construit à travers le regard et la langue, justement, d'Aurore, c'est Olivier. On a commencé à en parler un petit peu. À contrario, justement, du père de Simeone, pour qui son épouse n'était pas le monde ou tout un monde, Olivier est un monde, et le monde pour Aurore. Ah bah Olivier, c'est un type qui est difficile à écrire parce que il s'en va, donc j'aime pas les lâches. Moi, si je vais pas leur servir la soupe, je l'ai fait une fois dans On voyait que le bonheur, ça va. Non. Mais Olivier, c'est difficile à faire parce que c'est un absent dans le livre. C'est quelqu'un qui s'en va, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas, mais c'est quelqu'un qui est en Aurore. Elle le porte comme on porte l'autre, elle le vit. Et dans sa déambulation de nuit, tout en étant avec Simeone, elle lui parle, elle s'adresse à Olivier. Elle lui dit « Regarde, je peux baiser cet homme ce soir si je veux. » C'est pas ça, c'est mieux dit. Mais elle s'adresse aussi à lui. Il y a des adresses comme au théâtre. Et tout d'un coup, il existe parce qu'il est un homme. Voilà, et elle lui demande « Mais pourquoi tu pars ?» Et pourquoi ? Et elle passe un peu le bilan de ce désir et très très fort, puisque c'est lui. Ils sont rencontrés 30 ans plus tôt dans un dîner. Et puis, il y a eu ce regard, c'est gourmandise de l'autre, et il l'a vraiment empoigné comme elle empoignera Simeone. Il est sorti, ils ne sont plus jamais quittés, et les gens disent attendez, j'ai du dessert, ils se foutaient les deux là, ils se connaissent même pas, et ça a été une passion qui n'a pas de mots, ils n'ont pas de mots, et eux ont fait l'amour tout de suite. Et elle dit Aurore, dans le souvenir qu'elle a de la première fois avec Olivier, son mari, il m'a fait la première fois, il m'a fait l'amour comme une dernière fois. Et ça, c'était incroyable parce que il y a quelque chose qu'elle a ressenti, un autre langage qui était le langage de l'amour par le corps. Je ne parle pas de sexualité là. Et le lendemain matin, ils passent la nuit ensemble, ils se connaissent à peine, et ils descendent prendre un petit déjeuner au café en bas. Et elle va pour s'asseoir en face de lui et il lui fait non, va là-bas, allez là-bas. Et puis on va voir si on a encore envie l'un de l'autre, comment on se parlerait, comment on séduirait. Et leur relation commence comme ça. Et ça ne va pas s'arrêter. Et donc c'est un personnage évidemment très important, puisque quand il la quitte, il l'ampute de lui. Il l'est vide et elle est vidée, elle est humiliée, cette femme. Elle est à quoi ça sert ces 30 ans d'amour si celui à qui je destinais tout cet amour et qui l'entretenait me quitte, quoi. Et c'est terrible pour elle parce qu'elle dit mais je suis qui ? Et en plus, elle a un corps, et c'était intéressant pour moi, plus âgé, parce que c'est facile quand j'écris un livre avec une jeune péronnelle de 20 ans, c'est facile.
c'est tendu, c'est lisse, c'est ferme, c'est bronzé, c'est une gazelle. Mais à 55, 60 comme Aurore, quand elle se retrouve cette nuit-là avec ce Siméon dans cette chambre d'hôtel et que elle se met à nu dans tous les sens du terme, c'est difficile d'accepter à ce moment-là le corps qu'on montre à un inconnu, alors que le corps qu'on a montré à quelqu'un depuis 30 ans, on évolue avec lui, il y a une sorte de on se pose plus la question, c'est l'autre, il est comme ça, il est beau comme ça, mais tout d'un coup oser se dire voilà, je suis comme ça, je suis cette femme-là qui est seule maintenant, qui est abîmée, pas abîmée, mais le temps a passé, je dis, voilà, et que c'est courageux, et j'avais envie aussi de ce courage d'Aurore, à son âge, de se dire ben voilà, je suis encore quelqu'un de beau. Vous évoquiez justement l'amputation que représente le départ, dans tous les sens du terme, la fin. C'est aussi un roman sur la fin, et on... Comment dirais-je ? Je vais vous laisser cheminer là aussi dans ce que vous aurez envie de dire. Mais moi, il m'a semblé que c'était aussi un roman sur la liberté que l'on pouvait garder ou pas face à sa fin et face à l'autre qui vous aime, que l'on aime. De quelle liberté dispose-t-on quand il y a la fin de quelque chose et que l'on sait que l'autre va en souffrir terriblement ? Ça, c'est une question extrêmement intime qu'on se pose ou pas tous et qui de toute façon est amené à être posé dans les années qui viennent avec justement, il y a des grands débats de fin de vie, il y a des grands débats, est-ce qu'on peut décider soi-même de ce qui s'arrête ou de ce qu'on poursuit ou pas, et c'est vrai que mais ça c'est très personnel aussi, c'est, si l'autre n'est plus là, c'est quoi le monde sans l'autre quoi. Alors on peut dire il y a plein d'autres femmes ou d'autres hommes, mais à un moment c'est pas vrai non plus. Et du coup, quand on est quitté, amputé de l'autre comme Aurore, et un petit peu, vous verrez, comme Siméon, parce qu'on a moins parlé de lui, on fait le choix de quoi ? De continuer ou de s'arrêter ? Et c'est des choix qu'on a à beaucoup de moments de notre vie. Alors quand on dit s'arrêter, c'est pas s'arrêter définitivement. C'est j'arrête les conneries, j'arrête mon boulot, j'arrête de vivre ceci, ou j'arrête de vivre avec des gens toxiques. Mais ça peut aller très très loin, j'arrête. Je décide d'arrêter parce qu'à un moment... Ça serait, elle dit, je crois, enfin, c'est moi qui dis, mais elle dit, on devrait mourir d'amour, on devrait toujours mourir d'amour, sinon ça voudrait dire que l'amour n'a pas existé. Et je crois que c'est tellement important qu'on est obligé de se poser la question quand l'amour on en est amputé, parce que là c'est le cas quand il s'en va. C'est quoi ? Moi, je suis Aurore, je me dis, j'ai envie de quoi maintenant quoi ? Avoir un autre mec, c'est facile. D'ailleurs, elle le sait, elle prend celui-ci, elle pourrait, voilà, avoir une relation, ils pourraient se mettre en couple, les deux, il y a pas, mais c'est. C'est pas ça qui est important à ce moment-là de sa vie. Moi, je me souviens de Penthesilée de Kleist, qui est une pièce assez incroyable, sur les Amazones, une pièce allemande, je ne sais plus, 1930 ou 40, et de théâtre. Et c'est les Amazones, et les Amazones sont des guerrières, hein, comme chacun sait, et n'avaient le droit d'avoir de relations amoureuses avec un homme à condition qu'elles l'aient battu en duel. Et à la fin, donc, elles ont un grand combat avec des hommes, elles gagnent, et chacune des Amazones ramène son beau mec, hein, le Ken, à la maison. Et il y a une grande orgie, évidemment, et enfin les filles peuvent profiter de ces beaux gars. Et puis elle prend Penthesilée, celui qu'elle a vaincu, elle l'emmène dans sa grotte, elle est chef, elle a une grotte à part. Et elle ressort une heure après, alors je caricature, c'est joliment écrit, et elle est toute pleine de sang, comme ça, partout. Elle regarde les filles, enfin les Amazones, et elle dit en gros, ah bah les filles, enfin ça va, vous me faites marrer, vous dites que vous les aimez tellement que vous les mangeriez, eh bien moi je les fais. Et c'est assez incroyable parce que ça renvoie à... Enfin moi ça m'a marqué, parce que ça renvoie à plein de choses. Quand j'étais petit, à l'église, à l'Eucharistie, on mange, quand on aime, on peut manger. Enfin il y a plein de choses dans cette pièce, mais je comprends que... On ait envie de voir quand on est romancier ou comme Kleist, un dramaturge, de dire ça va jusqu'où l'absolu de l'autre. Parce que c'est trop facile sinon, je trouve, on prend, on jette, on consomme, c'est ce que font beaucoup de gamins aujourd'hui. Il faut se battre contre ça et dire que l'amour, il est, oui, une nourriture, mais sublissime. Et quand on en est privé, est-ce qu'on va aller bouffer de la merde quoi ? Non, c'est compliqué. Et je crois que oui, j'avais cette notion de fin, de finitude pour moi dans ce livre qui est importante. Et à ma manière, je contribue en chuchotant aux questions qu'on se pose aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui mérite qu'on vive au fond ? Et si vous enlevez l'amour, moi, je n'ai pas vraiment de réponse.
on peut dire une belle bagnole et une médiathèque sublime, mais, ou un bon vin, un vin excellent d'ailleurs, que je n'ose même pas boire devant vous parce que je vois que vous l'orniez tous. Mais si on enlève l'amour, on se dit franchement, waouh, on n'est plus à soi-même, quoi. Vous avez le sentiment de, par moment, de réécrire les mythes. Quand je vous entends parler des Amazones, je pense à Philémon et Baucis, puisqu'il y a une identification entre le couple d'Aurore et Olivier, par exemple. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que vous puisez, justement, mais je dirais de façon pas simplement culturelle, mais presque instinctive, charnelle, dans la dimension du mythe, alors qui traverse aussi l'opéra, mais vous avez une écriture qui s'ancre dans cette dimension-là. Moi j'aime bien, enfin j'ai toujours peur de m'ennuyer et de vous ennuyer quand j'écris, et donc il faut essayer de trouver des raccourcis, et la poésie c'est ça, des fulgurances qui font ça, ah oui ça je comprends. Exemple, Philémon et Baucis, c'est un couple dans la mythologie qui vivent tellement longtemps, tellement très 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 vieux, et à un moment, je ne sais plus ce qu'ils font, ils sauvent quelqu'un qui est un dieu caché, et lui dit qu'est-ce que vous voudriez, il dit on veut ne jamais se quitter ou mourir ensemble, et finalement il les transforme en arbres, et tout d'un coup leur corps fusionne, si vous voulez, ils ont le même tronc mais ils gardent leur feuillage différent, et c'est très très beau. Et voilà, ça m'appelle Guitry qui disait faire qu'un couple, c'est ne faire qu'un, oui, mais lequel. Mais là, voilà, ils sont un, mais deux. Et ça, j'adore ça. Et tout d'un coup, quand on ses amis, j'évoquais tout à l'heure dans le dîner où Aurore et Olivier se rencontrent, très vite, on dit, mais eux, ils seront comme Philémon et Baucis. Et ils le sont vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont en fusion absolue, charnellement, amèlement, je ne sais pas comment on pourrait dire pour l'âme. L'âme, voilà. Et c'est pareil avec la chanson aussi, les mythes modernes. Moi, il y a toujours des petits bouts de chansons dans mes livres, parce que j'ai beaucoup entendu de chansons, parce qu'on a tous des chansons d'amour, on a tous pris un gadin sur une chanson, on a tous regretté des slows à 2:30, on préférait les 4 minutes 30 de l'été indien. Donc ça aide, hein, quand on doit essayer d'aller doucement, et y a plein de choses, puis il y a des chansons très tristes qui nous marquent aussi, et il y a une littérature de l'amour par la chanson populaire que je trouve belle, que j'ai envie de dire, parce qu'après je connais moins aujourd'hui, je crois qu'il y a des belles choses dans le rap et tout, mais jusqu'à Balavoine quoi, qui il faut réécouter Sauver l'amour quand même, faire une chanson qui s'appelle Sauver l'amour dans les années 80, c'était quand même extrêmement prémonitoire. Et il y a Piaf qui dit dans mon Dieu, laissez-le moi encore une heure, encore un jour. Et à un moment, quand je dois exprimer le chagrin d'Aurore, au lieu de dire oh là 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 là, j'aimerais encore que notre histoire d'amour dure longtemps, vous allez dire, il écrit comme un pied, je m'emmerde, je vais passer à autre chose. Je mets juste laissez-le moi une heure encore, la chanson de Piaf, et on l'a tous entendu, et on sait tous qu'elle nous a fait mal, parce qu'à ce moment-là, on a tous eu peur de perdre l'autre et de dire mon Dieu, si, oh, et si je l'avais plus longtemps. Et à ce moment-là, on se dit, fais comme si tu l'avais pu pour en profiter, parce que c'est trop facile de dire ça dure toujours. Et c'est ça que j'aime bien, c'est persiller, mais c'est très naturel chez moi, ces raccourcis, ces fulgurances qui font qu'on est à la fois dans la chair du monde, dans la culture qu'on connaît tous, et qui permettent des ellipses pour éviter le pathos, quoi. Moi, un livre comme ça, s'il y a la moindre once de pathos, c'est du Barbara Cartland, vous voyez. Et Bachung, et sa nuit. Et on traverse la nuit aussi avec Bachung. Nuit entre mensonge et possible. C'est vraiment un très beau passage. On va peut-être prendre une question de l'Assemblée, parce que là, on discute aussi entre nous. Est-ce qu'il y a une question parmi vous? J'ai beaucoup aimé l'histoire de la Terre de Feu. Et d'où vous connaissez cette langue de Patagonie? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est connu, et ça m'a interpellée. J'ai trouvé ça très beau. Je ne connais pas la langue, je ne parle pas le Yagan, mais c'est vrai que j'avais au hasard de mes lectures, dans les articles comme ça, vous savez, je lis à l'année des tas de choses, il y a des choses comme ça, je note un petit carnet, des choses mystérieuses comme ça, en me disant ça peut me servir un jour. Et donc j'avais noté ça dans un article sur un livre qui a été fait, je le cite à la fin d'ailleurs, je crois, ça s'appelle... Ouais. Laurent Nunez, qui n'est pas le préfet de police de Paris, c'est un homonyme. Non, je dis, c'est pas lui. Les mots, ça serait pas les mêmes. Il nous faudrait des mots nouveaux. Oui, il nous faudrait des mots nouveaux. Et c'est un type qui a comme ça compilé plein de mots dans le monde entier, dans toutes les langues, qui raconte des choses pour lesquelles on n'a pas toujours le mot exact en français. Donc je note parfois des tas de choses. Et quand j'ai écrit, je voulais absolument trouver. Et je me suis rappelé que j'avais ce mot dans mon carnet. Et donc je l'ai mis là. Mais je ne parle pas du tout Yagan. Et ça ne servait pas à grand chose.
Puis aller dire ça dans un ascenseur à une fille, normalement, on prend une claque parce qu'elle croit que vous l'injuriez. Donc voilà, mais c'est ça. Et je crois qu'il faut être très curieux de tout. Et il y a des belles choses, des mots comme ça qu'on croit qui servent à rien, mais qui racontent un truc génial de nous, quoi. Une autre question ? Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a le livre et puis il y a moi. Alors moi, l'enfant, il est réparé. L'adulte, il va mieux. Il va mieux. Il va mieux parce qu'il a, je parle de moi, troisième personne. Il faut se calmer. Parce que j'ai accepté ce qui est arrivé. Et en fait, je l'ai accepté l'été dernier quand mon frère est mort, pour tout vous dire. Et d'ailleurs, j'en ai fait la postface. J'ai raconté ça dans la postface de l'édition du livre de poche de l'enfant réparé, qui est sorti en mars également, et je vous invite à le lire. Si vous l'avez déjà lu, vous feuilletez, vous lisez, il y a 4 pages. Et j'ai compris quelque chose d'important qui était arrivé à mon frère que je ne savais pas non plus. Et tout d'un coup, j'étais plus seul dans ce chagrin, cette désolation inexplicable, ce mal qui m'a été fait, il était aussi lui. Alors il est mort, on n'a pas pu en parler, on était en train de se rapprocher l'un de l'autre et il avait essayé de me tuer, je raconte dans le livre. Et en fait j'ai compris, ce qu'il voulait tuer, c'est ce qui nous est arrivé, c'était la trace, on était la preuve qu'il y avait eu un crime. Et tout d'un coup j'ai été très triste évidemment par sa mort et la vie qu'il avait eue et que j'ai découverte. Mais surtout j'ai un frère de douleur quelque part et je voulais lui rendre hommage. Et j'ai compris que je n'étais pas seul parce qu'on croit toujours qu'on est seul et on est une famille extrêmement nombreuse, des gens qui souffrent. Et c'est parce qu'on est nombreux que c'est presque moins douloureux parce qu'il y a quelque chose de digne aussi. On est un peuple, on est un peuple abîmé, mais on a une existence, on a une dignité. Et surtout comprendre que le mal qu'on vous fait, c'est pas de votre faute, c'est de la faute de celui qui le fait. Ça, c'est très long. Donc ça, de ce côté-là, ça va tout à fait bien. Et par rapport à ce livre, oui, il est important parce qu'il m'a redonné après le scalpel, l'acide des mots de l'enfant réparé, de l'air, des ailes, de l'audace, de la créativité. Vous verrez, il y a une scène de presque pornographique à un moment dans une bagnole et c'est beau à écrire et c'est beau, il n'y a rien de vulgaire. Et tout d'un coup, arriver à faire que les mots, que ce soit yagan ou français, crus, sont aussi une poésie incroyable. Et j'ai retrouvé une jubilation à écrire, à composer, j'ai envie de dire, ce livre. Dépouiller et débarrasser de toutes ces lourdeurs, mes fantômes et tout. Donc oui, c'est un moment charnière, comme le rappelait Véronique en début d'entretien. C'est un livre d'après, c'est un livre... Après, je ne sais pas ce que je ferai après, on verra. Mais c'est vrai qu'il marque quelque chose de différent sans quitter mon travail littéraire depuis 12 ans maintenant. Il y a mes thèmes, il y a mes obsessions de l'amour, mais beaucoup plus apaisé, beaucoup plus puissant, j'ai envie de dire, je crois. Vous aviez une très très belle chronique, je crois ce mois-ci, qui vous dépeignait comme une sorte d'écrivain plongeur en apnée, au plus loin, au plus profond, et entraînant justement le lecteur aventureux hein, sur cette voie absolument magnifique. Vous reconnaissez ? Ouais, ça, c'est une chronique incroyable qui est parue dans un magazine que je ne connaissais pas, qui s'appelle Politique. Bon, faut tout, hein, vous allez me dire. Mais c'est très. La chronique est vachement belle. Et l'article, c'était. Le titre, c'était Flâneur et plongeur ou plongeur. Ouais. Et le type, que je ne connais pas, racontait qu'il y a deux types d'écrivains. Il y a les flâneurs et les plongeurs. Donc, les flâneurs, ils racontent. Gino rencontre Gina, ils s'aiment, ils font des enfants, et ils s'achètent une télé, et puis ils sont heureux. Bon, c'est très bien. Il en faut. Et puis il y a les plongeurs, il y a ceux qui voient Gino et qui disent tiens, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Et ils plongent, ils vous entraînent avec nous, les lecteurs, écrit-il, et jusqu'à ce qu'on comprenne la mécanique absolument diabolique de ce monsieur de la cour, parce qu'il ne me connaît pas, mais une mécanique au sens de machination. C'est-à-dire qu'on va découvrir à la fin quelque chose de incroyable et on va se dire mais comment c'est diantre possible que je ne l'ai pas vu. Et il dit. De ce livre, dès qu'on a fini de lire, on le relit et on se dit, mais il avait tout balisé, il avait tout persillé, il nous disait tout et on ne le voyait pas. Et ça, c'est j'adore, et je savais en écrivant ça que je voulais, mon éditrice, quand elle a eu la toute première version, elle a dit, mais c'est comme un thriller, mais d'amour. Mais c'est construit comme un thriller, parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Il marche dans la rue, qu'est-ce qui se passe ? Il marche dans la rue, mais quoi ? Mais ah oui, oh voilà. Et ça, c'était très, très jubilatoire à écrire, de créer une tension.
parce qu'il y a toujours une tension avec l'autre. Et comme un polar, mais il n'y a pas de, de crime, sauf à considérer que la lâche abandon d'Olivier en est un, que l'autre, c'est le Siméon, bah, il enquête pourquoi elle est une victime, etc. Mais je l'ai écrit aussi comme une tension policière, et donc il y a une mécanique vraiment qui s'est mise en place dans ce livre, et qui saluait en disant j'étais au fond des choses et de chacun des deux personnages. Et ça, c'était une chronique incroyable à lire, parce que rarement les journalistes vont aussi loin dans leur lecture d'un livre. Ils n'ont pas le temps, ils ont des hebdos, ils doivent rendre un papier, et là c'est un papier d'aujourd'hui, enfin il y a 4 mois après la sortie du livre, et ce papier m'a bouleversé parce qu'il est d'abord remarquablement écrit, et je me suis dit waouh, j'ai quand même fait un truc qui est bien torché maintenant, qui est pu, voilà. Et j'étais content qu'après ce qui me tenait, c'est-à-dire cette souffrance que j'avais, bah, sans elle j'arrive à marcher droit, quoi. Voilà. J'ajouterais qu'il faut lire le texte 3 fois. Pas juste, oui, vraiment. Et j'ajouterais qu'il faut l'acheter 3 fois. Voilà. une fois pour le lire la première. Pardon. Non, non. Non, je dis ça pour le libraire parce que c'est lourd les livres et que ça serait gentil si on évitait qu'il les ramène, quoi. Moi, j'ai envie de vous poser une autre question, enfin une question double, une nuit particulière, revenir peut-être sur le titre, sur l'adjectif choisi, et puis sur cette photo extraordinaire. Alors, le titre, il n'est pas de moi. Moi, j'avais mis une nuit d'amour comme un titre. On a toujours un titre de travail, et une nuit d'amour, c'était vraiment parce que je n'ai pas réfléchi, je savais que ça se passait qu'une nuit, et c'était pour me rappeler unité de lieu, de temps, d'action, nana, ça se passe la nuit. Et en fait, c'est un huis clos dehors, oui, c'est un truc qui se passe une seule nuit. Et le titre est nul. Nul. Une nuit d'amour, parce que d'abord, il existe chez Arlequin. Et c'est horrible, parce que quand vous tapez un titre, vous voyez, paf, une nuit d'amour, une nuit avec d'amour avec mon dentiste, une nuit collection Arlequin, et ça. Donc j'étais assez embêté, parce que finalement, on s'y habitue. Vous savez, c'est comme les prénoms des enfants quand on est enceinte. On dit, oh, on va l'appeler Albert. Et puis on attend, puis Albert, puis Albert, puis c'est vraiment crétin. Bah, je sais pas qu'il n'y a pas d'Albert. Hein. Mais non, je ne vais pas me faire d'ennemis. Bah, voilà, et tout d'un coup on se dit bah merde, bah, de toute façon il arrive, il a pas une gueule à s'appeler Albert, mais on va l'appeler Albert quand même. Et un titre, c'est ça, on s'habitue, quoi, Albert. Donc c'était une nuit d'amour. Et là c'est Olivier Nora, le grand patron de Grasset, qui a beaucoup aimé le livre et qui m'a dit ça va pas du tout. J'ai dit je sais, c'est Arlequin, ça m'emmerde pas, tout ça. Et il m'a sorti comme ça une nuit particulière. Enfin, tu devrais l'appeler une nuit particulière. Évidemment, il y a mais ça n'a rien à voir avec une journée particulière des Torres Scola. Mais il y a une musique dans une nuit est particulière. Et ce mot particulier, il est très particulier pour le coup. Il y avait quelque chose qui me plaisait bien. J'ai dit tout de suite oui, sans réfléchir. Et je l'aime bien, ce titre. Et je trouve vraiment très singulier, très fort. Et on a envie de savoir ce qui se passe dans cette nuit. Ça, c'est pour le titre. Donc, merci Olivier Nora. Et pour la photo, j'avais demandé parce que comme j'ai fait de la réclame pendant 30 ans, j'aime bien faire mes petites maquettes, vous voyez, avec des petits titres, des petits trucs. Et je voulais une femme, et j'avais trouvé une photo d'une femme qui fume. Je voulais absolument quelqu'un qui fume. Alors on bannit la cigarette partout. Oui, d'abord parce qu'on bannit et que ça m'emmerde, qu'on n'arrête pas de nous dire ce qu'on doit manger, ce qu'on doit respirer et tout ça. Bon, maintenant, il ne faut pas fumer, mais c'est bien. Mais moi, c'est mon livre est Aurore, et je voulais rendre hommage aussi à ces héroïnes du cinéma que j'ai adorées, notamment chez Claude Sautet, parce que c'est à ça que je suis, en sortant de pension, j'ai découvert le cinéma français avec Claude Sautet, avec Romy Schneider, avec toutes ces femmes sublimes qui fumaient. Vous vous rendez compte, je me souviens dans Les choses de la vie, Piccoli, il sort de la bagnole, il allume une clope, il rentre dans l'immeuble, il fume dans l'ascenseur, qui est grand comme ça, hein. Il rentre, il a sa clope, la femme ouvre la porte, salut Thérèse, il l'embrasse. Je dis, putain, on voit ça aujourd'hui, on dit, ça n'existe pas. Mais tout le monde fumait tout le temps. Et il y avait quelque chose de très beau dans la manière dont les femmes allumaient leurs cigarettes, dont elles refusaient qu'un homme la leur offre du feu en disant, attends, ça va. Et il y avait quelque chose de l'ordre de la liberté des femmes qui décidaient. Et les femmes n'ont jamais été aussi belles et libres au cinéma que dans ces années-là où elles choisissaient les hommes, les jetaient. Elles n'étaient pas du tout, regardez César et Rosalie. Hein. Elles ne cessent pas à voir. Hein. Elles prennent les deux. Hein. Non mais... aujourd'hui, non mais elle garde les deux et les deux deviennent copains et c'est super, c'est incroyable quand même la modernité de ça. Et donc j'avais proposé une photo mais qui n'était pas libre de droit, et le directeur artistique, le graphiste, si vous voulez, de Grasset, a proposé cette photo sur laquelle on est tous tombés immédiatement en arrêt parce que je la trouve très belle, je trouve la femme extrêmement élégante, j'aimais qu'elle soit floue, qu'il y ait un mystère. Ouais. On est dans le cinoche, on est dans la nuit, elle a sa clope. Et vous savez qui c'est? C'est Gina Roland.
Et c'est Gina Roland, je l'ai su qu'après. Et en fait, c'est un travail d'un photographe qui est assez incroyable, qui photographie des photos. C'est-à-dire, ce photographe photographie des photos de stars, il les floute, il les travaille, et il rend hommage à voilà. Et on a eu les droits parce que c'est une photo de photo. Sinon, on n'aurait pas eu les Gina Roland. Et ils ont fait une réclame, une pub dans le métro à Paris avec ce livre. Et évidemment, la RATP, bien pensante, a dit « Nous refusons qu'il y ait une cigarette. » Et là, on n'avait pas le droit de l'enlever parce que c'est lié à son image. Donc, ils ont mis un bandeau rouge avec je ne sais pas quoi. Mais pour dire le faux-cuisme, quoi. De, voilà. Et voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et je trouve que ça fait un objet qui est joli. Je voulais un petit livre. Je voulais un livre court, je voulais un livre d'un format petit. Et là, j'ai la chance d'avoir un éditeur qui m'écoute et qui a compris pourquoi cet objet devait être beau et précieux. Et voilà, et maintenant, avec ce livre, on va vivre, j'imagine, enfin, c'est parti de nouvelles aventures qui sont sans doute le théâtre et le cinéma. Donc, c'est assez excitant. Ah, c'était la question que j'allais vous poser. Ouais. C'est tout chaud, je veux dire que c'est dans les derniers jours, mais il y a un garçon que j'aime bien qui s'appelle Pierre Tréhardy, donc T-R-E, trait d'union Hardy comme Laurel, qui a écrit Le syndrome de l'oiseau, qui est une pièce assez incroyable, qui a été jouée 5-6 semaines au Théâtre du Rond-Point à Paris en début d'année avec Sarah Giraudeau. Et Sarah Giraudeau est le Molière de la meilleure actrice pour ce rôle. Et c'est une histoire à deux personnages inspirée de l'affaire Natacha Campouche, vous savez, cette femme qui a été, voilà. Donc c'est simplement, elle est là, prisonnière, et c'est le moment où elle va réussir à s'évader. Et c'est une pièce assez incroyable, et j'ai sympathisé avec ce dramaturge il y a quelques années. On avait un projet, et puis malheureusement le Covid est arrivé. Et il a acheté le livre le jour de sa sortie, le 1er mars, et le 2, il a commencé à écrire l'adaptation théâtrale sans me dire. Et c'est génial, et il me l'a envoyé 30 jours après, et c'était magnifique, il y avait plein de trucs à revoir, on a travaillé ensemble. Et donc la pièce est vraiment très très belle, et si vous l'avez lu, vous savez que c'est casse-gueule à adapter, parce que la construction là, elle est, c'est pas simple. Il a fait un truc qui est vraiment de toute beauté. Donc là, on cherche l'actrice, parce que c'est difficile, une actrice. Il faut trouver l'actrice, en fait. Voilà, c'est difficile de trouver. Ça engage une actrice à jouer 3 mois minimum tous les soirs. Ça veut dire pas de cinéma pendant ce temps-là. Enfin, c'est technique, mais on est dans la part technique qui est un peu chiante, mais au moins il y a un espoir. Et moi, c'est très drôle parce que j'avais pensé à une actrice dont je ne vous dirai pas le nom pour jouer la pièce. Et voilà qu'elle m'appelle pour réaliser le film. Donc, je suis assez emmerdé. Donc, j'ai dit, il faut arrêter, il faut surtout pas lui envoyer. Et elle est venue avec son producteur. Elle a fait un ou deux documentaires, et elle ferait là elle a 60 ans, et elle ferait là son premier film, et je trouve ça génial. Non, mais je trouve ça génial parce que moi, je fais confiance aux gens, donc j'ai aucune crainte si elle fait un premier film, elle en a envie, puis c'est l'âge où elle commence à avoir moins de rôles aussi, donc on dit j'ai envie de réaliser. Et la vision et la lecture qu'elle a du livre est assez formidable par rapport à ce que j'ai voulu faire. Et donc on va voir, mais c'est petits cailloux comme ça. Après, c'est de l'argent, c'est tout ça, ça dépend des autres, mais c'est des belles promesses, quoi. Quand vous faites un livre qui tout d'un coup inspire d'autres gens et donne du talent à ceux qui en ont, et je trouve ça formidable. Je trouve qu'un livre il a plein de vie. Et j'espère qu'après le Covid, tous les projets qu'on a eu, que j'ai eu avortés, de films, de théâtre et tout, ça va reprendre un petit peu, qu'on va retrouver un peu de joie et de d'émerveillement qu'on est en train de perdre tous les jours. J'espère d'ailleurs que ça ne tape pas trop dans les bons lieux cette nuit. Mais on a besoin de... Non, mais c'est effrayant, quoi. Et on a besoin, et nous, on écrit aussi des livres pour dire qu'il n'y a pas que ça, quoi, qu'on peut se parler un petit peu. Et c'est bien, et ça serait bien que ça continue, parce que c'est fragile, un livre. Ça se brûle, pardon. Non, j'ai juste envie de vous dire que... On va peut-être rester sur vos mots. Vous dire que vous êtes un pericoloso romantico, un dangereux romantique, mais tellement séduisant. Et il ajoute... tragique, oui, je ne sais pas, en même temps. Oui. Oui, c'est sa maman qui lui disait, mais mon pauvre petit garçon, tu es... un romantique, c'est tragique d'être romantique. À moins qu'on finisse sur quelques mots de votre texte. Allez-y. Allez sur la cigarette. Il allume une cigarette, grimace en aspirant le feu, puis je la porte à ma bouche. Je la maintiens à la commissure de mes lèvres, comme une truande. La cendre s'allonge, menace de tomber. Il dit Jeanne Moreau. Il dit Sophia Loren. Il dit... Ça avait de l'allure, les actrices, la clope au bec.
et nous rions, et je manque de m'étouffer. Il attrape le mégot avant qu'il ne brûle le drap. Et c'est la première fois que je ris ce soir, alors que tu es en train de me quitter. Parce que c'est aussi un livre sur la vie, fondamentalement. Et j'ai envie qu'on reste sur cette image, la clope au bec. Merci infiniment. Merci. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.